solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo no se calma, que no se encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere, este amor no se muere aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Je ne sais pas quand ta mère assènera le coup contre moi ou contre mon père. Je ne sais pas, Damian. Je ne sais pas du tout. Elisa. S'il te plaît, on ne va pas s'inquiéter pour ça. Juste aujourd'hui, d'accord? Juste aujourd'hui. Carmina, tu ne t'es même pas encore préparée et les tovards sont là. Excuse-moi auprès d'eux, s'il te plaît. Je me sens mal, vous dînerez sans moi. Tu ne peux pas nous faire ça. C'est Bégonia et toi qui avez organisé cette soirée. Tu ne peux pas l'annuler pour une bêtise. Je trouve ça très mal poli ce que tu es en train de faire. Pardonne-moi, s'il te plaît, mais vraiment, je me sens mal. Je me sens très mal. S'il te plaît, excuse-toi pour moi de ne pas avoir annulé le dîner à temps. Tu peux leur demander qu'on le reporte à un autre jour. Effectivement, tu n'as pas l'air bien. Pourquoi tu ne laisses pas Edmundo t'examiner ? Non. Non, ce n'est pas la peine. J'ai besoin de me reposer. Je ne suis pas au meilleur de ma forme. Qu'est-ce que tu as, mon chéri? Je ne comprends pas pourquoi tu fais cette tête comme si on t'avait obligé à venir à ce dîner, à croire que tu te forces à être là. Tu n'as aucun problème avec Augusto, n'est-ce pas? Non, aucun. Aucun. Eh bien, on dirait. En tout cas, c'est comme si tu voulais être n'importe où sauf ici. Essaie de t'égayer un petit peu, s'il te plaît, hein? Pardon, mais Carmina se sent mal. Elle est souffrante, elle ne se sent pas bien. Elle dit qu'elle ne peut pas descendre. Elle demande si on peut reporter le dîner. C'est une bonne idée. Il n'y a pas de problème, Augusto. Bégonia, on s'en va. Non, sort de question. On ne peut quand même pas partir en laissant Carmina dans cet état, la pauvre. Examine-la, tu es son médecin, non? Je lui ai proposé, mais elle n'a pas voulu. Bon, tu vois bien, Bégonia. On va la laisser se reposer. D'accord, oui, mais une fois que tu l'auras examinée... Oui, nous les femmes, on est très fortes. On aime aussi qu'on nous prête un petit peu attention. Ta femme a raison. Carmina n'avait pas l'air bien, elle avait très mauvaise mine, alors s'il te plaît, examine-la. Comme ça, on sera tous tranquilles après. Bien. Vas-y, mon chéri. Qui est-ce qui t'a permis de rentrer dans ma chambre ? Pas la peine de prendre ton air offensé avec moi. Augusto m'a dit que tu te sentais mal et... Et bon, il m'a demandé de passer pour t'examiner. Je n'ai pas besoin d'un docteur. Hein? Ni d'un homme. Par conséquent, tu ne me sers à rien. Si, j'ai appris. J'ai appris que tu as un nouvel amant. Paolo Landucci. Ça me fait beaucoup de peine que décidément tu ne saches pas valoriser ce que tu as, Carmina. Augusto est un homme bien. Et toi? Et toi alors? Tu as commencé à revaloriser ton insupportable épouse. D'après Bégonia, vous êtes sur le point
de retomber amoureux et désolé, mais ça, ce ne sont pas tes affaires, ok? Ça ne te regarde pas. Non. Dis. Mon mari est... et ta femme sont dans le salon, là. Hmm? Et toi et moi, on pourrait essayer de se rappeler le bon vieux temps. On pourrait... Ça ne t'excite pas, le danger? Hmm? Je te le dis. Si jamais un jour j'en avais envie, tu serais à moi. Oui, mais non. Non, je ne suis pas de celles qui reprennent deux fois du même plat. Et encore moins s'il est insipide comme toi. Je vais les informer tout de suite qu'effectivement, tu ne vas pas bien. Non, mais non. Figure-toi que... En fait, oui. Moi, je me sens bien. Quel bon médecin tu fais. Tu as vu ça? Je crois que... Je crois que si. Si, si, finalement, je vais dîner avec vous. Hmm? J'en ai envie. Ça a l'air vraiment délicieux. Je n'aurais jamais pensé que tu étais douée pour la cuisine. C'est bien, comme ça tu vois qu'il y a des avantages à avoir vécu tant d'années en Italie. Voyons, j'ai envie de goûter ça. Attends. Je te promets que tu ne mangeras jamais de meilleures pâtes de toute ta vie. Alors? Alors? Elles sont excellentes. Oui? Délicieuses. Attends. Tu as un petit peu de sauce ici. Et ici ça, aussi, c'est encore mieux. Tes baisers sont vraiment mieux, fais voir. Ah, c'était une chouette soirée, t'es heureuse? Elisa? Salut. Au fait, Gaël, pardon pour ne pas t'avoir dit bonjour tout à l'heure. Non, je comprends parfaitement que tu n'étais pas d'humeur. Non. Mais la course que m'a fait faire Elisa en a valu la peine parce que... devinez quoi? On est de nouveau ensemble. Oh, vraiment? Toutes mes félicitations, super. Merci beaucoup. Oui, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Tout le bonheur du monde. Mais bon, mais j'espère que cette fois sera la bonne, hein? Ça le sera, Gaël, je t'assure. Et alors? Vous allez dîner avec nous, non? Parce que j'ai préparé de ces pâtes. Délicieuses. Ce n'est pas pour dire, mais elles sont... Ah, grand Dieu. Succulentes, n'est-ce pas, chérie? Ah, ça va, on se calme, c'est juste des pâtes, attendez. Elisa. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu es toujours fâchée contre moi? Non, n'est-ce pas? Dis-moi que non. Ça va, on passe l'éponge. Mais à une condition. Quoi? Que vous restiez à dîner. Allez, aide-moi. On va chercher des assiettes. Non, comme ça. Et tu penses vraiment vendre Cielo à Birto? Je n'ai pas vraiment le choix, Edmondo. Je dois payer la dette qu'Elisa a contractée auprès d'Alfonsina Arengo. Donc si tu entends parler de quelqu'un qui soit intéressé par mes terres... Augusto, je n'étais pas au courant de ton projet. Pourquoi tu ne m'as rien dit? C'est que... À mon avis, ce n'est pas à toi d'être responsable des dettes d'Elisa. Ce ne sont pas les tiennes. Je suis responsable. S'il te plaît, est-ce que je dois te rappeler que cette dette a servi à payer la caution qui m'a permis de sortir de prison? Je n'arrive pas à croire qu'Alfonsina Arango vous ait déclaré la guerre de cette manière. Enfin, c'est la preuve de la cruauté et de l'insensibilité de cette femme. Je suis ravie d'apprendre ce que tu penses vraiment de moi, Bégonia. Je suis vraiment désolée de déranger Augusto, mais il faut que je te parle. Seul à seul. Excusez-moi. Et c'est maintenant qu'Alfonsina Arengo va te déclarer la guerre à toi. Dis-moi ce que tu as à me dire, Alfonsina, et va-t'en de chez moi. Calme-toi. Je ne prendrai pas beaucoup de ton temps. J'ai parlé à mon avocat. Il m'a informé que ton dossier est clos auprès des autorités. C'est impossible que tu retournes en prison. Bien que tu aies volontairement tiré sur mon fils. C'est exact. Et c'est grâce à la déposition de ton frère qu'il a été prouvé qu'il s'agissait d'un accident. Et si c'est la sécurité de Damian qui te préoccupe, je te recommande de le tenir éloigné d'Elisa. C'est ta fille qui ne le laisse pas tranquille. Elle le rend fou.
au point d'avoir réussi à le monter contre moi. Augusto, nos enfants ne vont pas tarder à se remettre ensemble. Je t'en informe parce qu'il est évident que tu n'approuves pas non plus cette relation. Non. Tant est si bien que si je surprends ton fils par ici, je le traiterai avec la même courtoisie que tu as réservée à Elisa quand elle s'est présentée dans ta propriété. À la différence que je ne vais pas ordonner à un employé de le renvoyer. Je m'en chargerai moi, avec mes propres mains. Mais sois tranquille, Alfonsina, je te le renverrai sans une égratignure. C'est tout ce que tu voulais me dire ? On dirait que ça date tout juste d'hier. Cet endroit ne te rappelle pas des souvenirs ? Parce que moi, si. C'est là que je t'ai dit pour la première fois que Stefania était la maîtresse de mon mari. Et toi, tu as commis la bêtise de ne pas me croire. Je ne saisis pas. À quoi bon rappeler ça maintenant ? Le moment est parfait pour t'informer que ta femme actuelle, Carmina, te trompe elle aussi avec ton meilleur ami. Oui, Edmundo Tovar et Carmina ont une liaison. Et voilà, pour toi. Bon appétit. Bon appétit. Merci à vous. Bon appétit. Quoi ? Ah non, d'un petit bonhomme. Que ça sent bon. Ah, les polissons, vous auriez pu m'inviter, hein ? Jusqu'à l'église, jusque là-bas, j'ai senti une odeur vraiment délicieuse. C'est pas ton l'air succulente. Vous en voulez ? Hein ? Asseyez-vous, mon père, je vous serre l'assiette. Mon père, asseyez-vous à votre place, s'il vous plaît. Et faite par Damian, hein. Mais c'est qu'elle m'en donne juste une bouchée pour goûter. Je veux une assiette, une grande, ma fille, hein. Aïe, 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 c'est formidable. Oui, merci. Oh, elles ont l'air délicieuses. Ah oui, vraiment, oui. Bon. Je suis très content de voir les quatre amis réunis, comme quand vous étiez enfants. Vous vous souvenez? Oui, ce qui est bien, c'est qu'on a grandi. Le problème, c'est que les choses changent. Dis-moi, quel est ton problème avec tes femmes, Augusto ? Il se pourrait que tu sois bien médiocre comme mari. Ou peut-être fort lâche, mais non. C'est aussi inscrit dans les gènes des Bouvier. En commençant par Stefania, suivie de sa sœur. Et en terminant par ta fille, qui, pour être franche, remporte la palme. Horatio ! Oui, patron ? Accompagne madame à l'entrée de la propriété. Elle s'en va. Oui, monsieur Augusto. Ne m'approche pas, toi ! Regarde-toi, tu es descendu bien bas. Ne t'en fais pas, Augusto. Je n'ai besoin de personne pour me raccompagner. Je connais le chemin. Alors, qu'est-ce que tu attends pour partir ? Avant de partir, je te recommande, pour éviter d'être à nouveau la risée de tout le village, de disparaître de la ermita avec toute ta famille. Cela résoudrait peut-être enfin mes problèmes. Mais pas les miens. Ah, vraiment ? Tu me garantis que tu vas partir très loin d'ici, là où Damian ne retrouvera jamais ta fille. Je pourrais peut-être annuler la dette qu'Elisa a envers moi. Je te remercie de ton offre, Alfonsina. Tu seras remboursé jusqu'au dernier centime. D'accord. Je te laisse. Retourne auprès de tes invités. Profite bien de ton dîner, Augusto. Excellente soirée. Et s'il te plaît, n'oublie surtout pas la proposition que je viens de te faire. Hmm? Mais mon garçon, il est toujours bon de conserver et d'alimenter une amitié. Et puis de laisser derrière soi les rancœurs. Damian et toi êtes amis. Que dis-je, ami ? Enfin, vous êtes comme des frères, mon garçon. Tout comme Elisa et Paloma. Ah oui, oui, bien dit. Voyons, et pourquoi vous ne faites pas ce que vous aimiez faire comme avant, quand vous étiez tout petit ? Oui, comme aller nager au Sénat. Ah oui, ouais, j'adore oui. Cette idée. Depuis que je suis rentré à l'Ermitage, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Ah ben voilà. On pourrait y aller demain. Demain, non, on y va. Non, pas demain. En fait, je ne peux pas. Je dois travailler au CER et à vrai dire, ma priorité pour l'instant est la situation que connaît Elisa. Je ne peux pas. Oui, mais bon, elle, c'est notre patronne et elle peut nous donner la permission de travailler plus tard. Alors, ma chérie, je suis pas très sûre. Je meurs d'envie de retourner plonger dans l'eau. Tu m'as presque convaincue. Ah, ça va. On va tous au cénote demain. Bon, on y va, hein. C'est génial, on va au cénote. Sérieusement ? Oui. Elle est enfin partie ?
C'est exact. Tout va bien, Augusto ? Parfaitement. Je veux porter un toast à une amitié. Aussi sincère et loyale que celle d'Edmundo. Mon meilleur ami dans ce village. Mon meilleur ami depuis que Rosendo Arango est mort. Moi aussi, je veux lever mon verre. À notre récente et toute nouvelle amitié, Carmina. Santé. 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 Sapristi ! Et avec la préparation de ce dîner, on n'a même pas eu le temps d'aller voir le père Lupe. Bah oui, dommage. Ah ! Mais demain, c'est sûr qu'on y va. Ah oui, c'est sûr. Après, j'aurai une surprise pour toi. Une surprise pour moi ? Oui. Oh. Et alors, c'est quoi ? Je ne vais pas te le dire. Oh, Dolores, mais... Non, tu vas devoir attendre demain, parce que je veux que tu la vois de tes propres yeux. Oh, bah c'est bien que t'aies une surprise pour moi. mais bon, eh bah, tu vas voir que moi aussi j'ai une surprise. Sauf que moi, je vais te révéler tout de suite ce que c'est. Oui ? Oui. C'est quoi ? Eh bah, j'ai trouvé un peu d'argent. Ce n'est pas beaucoup, mais ça servira à démarrer la boucherie, qu'est-ce que t'en dis ? Mais où tu as trouvé cet argent ? J'ai réussi à convaincre Madame Alfonsina de me payer la quinzaine que je n'avais pas reçue, tu te rappelles ? Ah, très bien ! Ma Dolores, c'est vrai que ce n'est pas grand-chose, mais... Mais avec tout ça, on pourrait commencer. Ça te plaît ? Oui, ça me plaît ! Tu sais, ça me surprend vraiment beaucoup que tu aies prêté cette importante somme d'argent au fiancé de Lolita. Ça, ça en dit long sur toi, Brolio. Merci, mais... Je vous demande d'être très discret parce que je ne veux pas que Lolita l'apprenne, Monsieur Lucio. En plus, mon aide n'est rien à côté de la vôtre. Vous leur avez presque offert votre local en cadeau. Mais ça ne sert à rien d'avoir un local là-bas complètement abandonné. En plus, eh bien, ma Blanca, tu vois, elle aimait beaucoup Lolita. Et moi, je suis sûr que où qu'elle soit, elle doit être satisfaite de ce que j'ai fait pour elle. Vous croyez que Lolita sera heureuse avec Horacio ? Bah oui. Bon, tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle avait l'air complètement emballée quand elle est venue me parler pour me donner la bonne nouvelle de son mariage. Elle avait l'air contente ou amoureuse ? Mais c'est la même chose, Brolio. Elle était contente et elle avait l'air amoureuse. Alors Lolita m'a vraiment oublié. Mais malgré tout, je la garde toujours en moi, jusqu'à la mort. Ah, ben on ferait mieux de trinquer un coup, allez. Je suis bien content que tu sois là. Ma fille est rentrée inconsolable parce que Damian s'est remis avec Elisa Castagnon. Et je ne peux pas la laisser subir une nouvelle humiliation. Je vais donc sauver le peu de dignité qui lui reste et je la raccompagne à Mexico demain même. Guido, je te demande d'être un peu patient. Je suis plus seule que jamais. J'ai besoin d'un homme pour me soutenir. Damian a tout envoyé paître. Et l'entreprise est restée sans personne aux commandes depuis. Et pour cette raison, je te demande de prendre mon usine en charge. Mais c'est que l'usine est une responsabilité. Je fais confiance à personne d'autre. Ce serait juste le temps que j'essaye de résoudre les problèmes avec mon fils. Qui sait, tu découvriras peut-être à ce moment-là que ce travail te plaît. Oui ? Je ne sais pas. Guido, ne m'oblige pas à te rappeler que je t'ai aidé pendant tes coups durs. Alfonsina, tu sais que... Cet argent, je vais te le rendre. Tu as ma parole. Et mais ce n'est pas l'argent. Que... Non, ne t'en fais pas pour ça. Je t'ai déjà dit qu'il n'y a pas d'urgence. Mais ne m'abandonne pas, Guido. Pas maintenant, au moment où j'ai le plus besoin de toi. Je te promets d'essayer de calmer Florencia. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi sont-ils partis au bar ? On était supposés être là tous les quatre, être bien et discuter. Ah, mais laisse-les. Les hommes sont toujours comme ça. En plus, ça me fait vraiment plaisir, comme ça on peut parler, toi et moi. Oui. Raconte-moi. Quoi ? Qu'est-ce qu'est devenue cette gosse qui court derrière ton mari ? Je ne sais pas. Enfin, on dit qu'elle n'est plus là. Qu'elle est partie, qu'elle a tout laissé, je ne sais pas. Sa maison, ses affaires, oh, je ne sais pas. On peut dire que tu as de la chance, toi ? Oh oui, n'est-ce pas ? Par contre, je sais que la femme avec Edmundo a une liaison et toujours à la Ermita. Pas possible. Si. Oh mince, mais tu continues à soupçonner Paloma ? Eh bien, je ne l'exclus pas, même si... C'est possible qu'il s'agisse d'une toute autre femme. Mais tu sais quoi ? Pour être sincère, ça ne m'intéresse pas du tout de le savoir. Ah oui, ça ne sert à rien. Tu as raison, laisse plutôt les choses comme ça. Tu sais, ce qui me met mal à l'aise,
Je ne sais pas ce qui me fait du mal, tu sais. Dans ce village, tout le monde ragote mon mari ceci, ses infidélités cela, nanani, nanana. Oh, ça me démange. Ah non, à l'Ermita, ce genre de ragots se répandent très vite. Oui. Je sais. Tu vas voir que demain, à cette même heure, tout le monde ne parlera plus que du départ du village de cette voleuse de mari. Vraiment.